Je viens de recevoir le dessin de mon tatouage. C'est beau. C'est une sauce piquante parce que j'ai un amour total pour les sauces piquantes. On va aller montrer mon amour total pour les sauces piquantes. Voilà mon amour pour les sauces piquantes. Avec la petite mascotte du parc d'attractions, du film Nope, parce que j'adore ce film. Et c'est un tatouage de Maxime qui a fait mes deux autres tatouages. C'est beau, hein? C'est trop beau. On adore. Sinon, on est en train de se mettre en mode compta. Ah bah voilà, il y a le tableau de la compta. On adore. On a un jour de retard, mais tous les 5, c'est le jour compta. Généralement, on se dit qu'à partir du 5, techniquement, ils devraient avoir tous fait leur compta. C'est ça. Et du coup, c'est un beau petit bordel, comme on travaille avec plein de labels différents. Une vingtaine. Et à chaque fois qu'on travaille avec un nouveau label, et ben, ça ajoute un check. Une ligne. Une ligne à la liste. En même temps, on va pas se plaindre, parce qu'il y a plein de boulot, et on est très content. Et on apprend un peu le métier de comptable, comme ça. C'est parti pour la compta. C'est parti. Petit atelier réparation de serre. Voilà, il y a un peu de casse. Du coup, on a été refaire les vitres. C'est Waldom. T'en sors? T'as besoin d'aide? Non, c'est toi qui vas enlever le plastique. Je vais enlever le plastique. En fait, c'est bon, je pense que je vais réussir tout seul. C'est un défi personnel. C'était pas dégueulasse, hein? C'est pas dégueu. Ça laisse difficilement passer la lumière, juste. Voilà. C'est bien? Comme neuf. Bah, du coup, c'est plus propre. Ah, je suis un teubé. Ah non. Ah, je sais ce que je vais faire. Bah vas-y, on va déjà faire toutes les guitares. Donc, guitare, pluck, coupe. Est-ce qu'il y avait des volumes à faire sur ça? Moins 1,4. Donc, moins 14, moins 1,4, ça fait moins 15,4. One eternity later. Ok. Donc là, je vais enregistrer les compresseurs et les copier tout simplement dans l'autre truc. C'est bon? On peut aller cuire des patates? Oui. Raclette. Raclette. Petite patate du jardin. Kilo. Il faudrait qu'on rachète des quarts de tomes pour faire des raclettes, tu sais, traditionnelles. Non, la tétilla, ça marchera pas. Il faut une croûte dans laquelle piquer. La tétilla, tu la mets deux secondes devant le chaud, tu te retrouves avec une flaque. À la base, je voulais bosser sur les voix, mais en fait, j'ai passé 3 heures à remixer des choses dans la chanson. Donc on fera les voix après-demain, puisque demain, c'est tatouage. Lorraine, ça va être shopping et cinéma à Rennes. Et oui, oui. Je demandais, c'est quoi ta partie préférée de la chanson? J'hésite entre le dernier « On se fait du mal » avec les armots ou le refrain. On n'a pas le même préféré. Toi, c'est quoi? Moi, c'est cette partie-là. J'ai toujours envie de toi, même si mes fleurs avec le... On est en train de commencer à recevoir les petits cadeaux qu'on va en fait mettre dans le calendrier de l'Avent, qu'on se fait l'un l'autre. Et Lorraine s'est déjà gourée une fois sur la taille, donc j'ai eu un cadeau en avance. Et là, en fait, j'ai reçu aussi un cadeau. Pour moi, ça allait complètement rentrer dedans, mais pas du tout. Donc du coup, bah, je vais lui offrir maintenant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un puzzle? Mais non. C'est pas un puzzle. Regarde sur le côté. Ah, c'est des allumettes. Bah oui. Ah oui. Du coup, voilà, ça rentre absolument pas dedans. Mais sauf que je pensais, tu sais, moi je pensais que ça allait être une petite boîte d'allumettes. Ah oui, non. Donc je me suis dit, je vais... Mais en même temps, regarde les chaussettes que t'as dans les pieds. Oui. Au début, je me suis dit, je vais en mettre une, et puis au pire, je lui donnerai l'autre, tu vois. Mais même une, ça rentrait pas. Moi, je suis les chiffres pairs. Pour l'instant, j'en ai mis 1, 2, 3, 4 dans le calendrier. Et j'en ai commandé 7. Donc je suis pas mal. Regarde pas. Regarde pas, je me casse. Le tatouage s'est bien passé. Là, il y a le pansement, donc on voit pas encore bien. Mais on a trop hâte de voir le résultat. Je suis trop content. Et là, je suis en train de mixer les voix du mauvais choix. Depuis à peu près 2-3 heures, je suis toujours sur le premier couplet. J'arrive pas à voir ce que j'ai envie, mais je vais finir par l'avoir.
Let's go. Aujourd'hui, je vais apprendre Popular de The Weeknd parce que ça fait des mois que je dois l'enregistrer pour Youssouf Alef, un DJ avec qui on bosse sur Nito Ona. Et entre le Portugal, l'Amsterdam Dance Event et tout le boulot qu'on a eu à la maison, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais là, il faut vraiment que je m'y mette. Et de toute manière, il fait pas beau du tout, donc on va pas aller courir aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est parti, on va apprendre Popular. Il y a beaucoup de textes, c'est du The Weeknd, c'est technique comme d'habitude, mais on va y arriver. Les refrains c'est easy, mais les couplets. Pas spécialement les couplets, parce que ça c'est juste de l'apprentissage parce que je la connais pas. Mais le pont c'est vraiment technique, c'est super rapide. Je pense que je vais l'apprendre sur l'original parce que là du coup c'est la version de Youssouf. L'original j'imagine qu'elle est moins rapide parce que sinon ça va être impossible. Donc faut que je l'apprenne au ralenti avant de l'apprendre à cette vitesse parce que sinon je vais marcher sur ma langue. Là il y a une fréquence quand même horrible. Pas mieux ? C'est compliqué à mixer en même temps ça. Je vais essayer de le creuser plus encore. Ça avance bien mais maintenant on n'est pas content des hauts. Du coup, on s'est reparti pour faire des oh. On avait déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oh. Mais du coup, on a envie d'un effet vraiment de full. Donc je pense que c'est parti, on en fait plein d'autres, quoi. Vas-y. Pas que ça pas saturé. Fais attention à tes oreilles. C'est bon. La 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 la. Il y a un delay. Faut que j'enlève ça. Non. S'il fallait parler, quoi. C'est bon, là. La 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 la. Oui. Je sais pas si je vais réussir dès le matin. Je m'en fous. Bon, je peux y aller ? Vas-y. Non, tu tournes sur ta chaise, donc non. Mais vas-y. Ça va s'entendre. Je m'arrête. Oh, ah ! Oh putain, c'est aigu. Et ça a saturé en plus. Oh, ah ! Oh, ah ! Est-ce que je fais un oh, ah ! Bah oui. Oui, je dois le faire. Fais l'inverse, ouais. Et on change un peu de voix. Donner mon temps à des gens. Oh, ah ! Oh, ah ! Oh, ah ! Pourquoi ? Mais non, j'en peux plus de toi. Oh ah, oh ah. Ok, vas-y on fait en mode hyper poussé. Oh ah, oh ah, oh. Oh ah, attends. Du coup on fait les aigus. Oh ah, oh ah. On va se faire une écoute pour voir à peu près où on en est. Let's go. C'est trop bien, j'ai juste deux petits trucs à dire. Vendredi, c'est jour de sortie. On a sorti un titre en collab avec Eden Ice qui s'appelle Time to Love. C'est un original. Avec, comme d'habitude, Kiran aux paroles. Big up, Kiran. Et donc là, l'idée, c'est d'enregistrer le petit acoustique qu'on va partager sur les réseaux sociaux. Petit accordage. Ben voilà. Quand on veut. Quand on veut, on peut. C'est parti. Petite vidéo pour Nito Ona, pour les réseaux. Est-ce que là, c'est bon ? Est-ce que tu le vois ? Ah, si tu ne bouges pas, là je vois plus. Là je vois. Je ne vois plus. Là je vois plus la fin. Là tu vois. Bébé. Mon chat. Ah mais attends. Oh tu es belle. C'est parti. Je t'aime. C'est bon la coiffure. Oui. I don't wanna be alone cause now you went away too. Voilà. Hey, first try, hein. Ça y est, la vidéo est en ligne. Du coup, ça, c'est fait. Aujourd'hui, on a eu plein de rendez-vous super intéressants avec des éditeurs, des personnes qui s'occupent de la promo. On est en train de réfléchir beaucoup, que ce soit pour l'Unis ou pour Nito Ona, pour les prochains morceaux notamment. Là, le prochain, ça va être Il pleut. On est en train de réfléchir à la meilleure manière de le sortir, de quoi mettre en place pour la promotion. C'est pas un morceau très radio, donc on va surtout essayer d'avoir des playlists, essayer de créer des petits trucs sur TikTok, des trucs marrants, des choses qui pourraient lancer le morceau pour toucher peut-être des radios, mais en tout cas, on va pas attaquer par là. Et du coup, voilà. Là, on va manger devant l'Energy Music Awards. C'est tout. Donc, visiblement... Un cadeau en avance. J'ai un cadeau en avance. Alors, je sais pas pourquoi, parce qu'il rentre dans le truc. Oui, pile. Mais là, je te l'offre pour une autre raison.
trop bien, il est trop beau. C'est un petit piercing. Il est trop beau. C'est pour remplacer lui. Parce qu'en fait, j'ai beau l'avoir depuis un an, il fait que s'infecter et du coup, on se disait que peut-être sa forme un peu chelou n'aidait pas à la cicatrisation. Mais je pense surtout que... Mirki. De rien. Il est trop joli. Après nos rendez-vous d'hier et quelques discussions entre moi et Lorraine, on a enfin décidé de la date de sortie de Il pleut. Comme on a la date maintenant, on est en mode choix du distributeur, stratégie, voir si on met un peu de promo, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté. Donc ça y est, on a choisi notre distributeur, on va bosser avec Wiseband. Ils sont français, ils sont près de Nantes, il me semble. Et en plus, on connaît donc déjà certains membres de l'équipe de Wiseband, et ça va être chouette de bosser avec eux. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, ouais, on a aussi notre cher ami Antoine qui va nous aider pour faire en sorte qu'on intègre le maximum de playlists tierces sur Spotify. Et nous, on va envoyer du coup... au contact qu'on a pu se faire depuis qu'on bosse dans la musique et qui ont répondu présent quand on leur a envoyé des choses. Je pense à TBO, France Bleu, Brazizel, It West, Telegram, West France. Et aussi, oui, donc on va faire une campagne Groover. Là, donc c'est un site où il y a plein de médias, plein de radios et les artistes peuvent soumettre leur musique à ces médias. Donc ça, c'est pour essayer d'aller toucher un peu des nouveaux médias, des gens avec qui on n'a pas travaillé. Donc voilà, on va leur envoyer et on va voir si ça leur plaît. Il y a un peu de taf sur cette sortie. Donc voilà, c'est parti, let's go. C'est bon, t'as fini? Ah, ça a filmé? Oui. Ah, merde. La campagne Groover est lancée. On a envoyé à 59 médias différents. T'as envoyé à quoi comme type de médias? Qu'est-ce que c'est là-haut? J'ai envoyé à des radios, à des magazines, à des gens qui font des playlists sur Spotify, sur YouTube, des webzines aussi, majoritairement en France, mais j'ai aussi envoyé dans d'autres pays, genre Belgique, Canada, Mexique, Philippines... Donc cibler les gens qui aiment bien la variété, la chanson, la pop et les musiques un peu balades, chill. Maintenant, on va s'occuper de la mise en ligne du morceau donc sur Wiseband. T'as l'air fatigué. Je fais comme Bucky. Ah. Plus ma mère en état de un peu siesteux. Ça me repose. Pleut, artiste Lunis, label Lunis, genre pop et chanson française, sorti le 8 décembre 2023, auteur-compositeur Laurent Louis-Mével, arrangeur Louis Mével, finalisé vos distributions numériques. Cochant cette case, j'accepte le contrat de distribution. Ah voilà, c'est ça. En attente. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On mange des pâtes. Non, mais après. On court. Voilà. Beaucoup. Beaucoup. On mange des pâtes. Et après, mini-pause pour digérer un chouï. Et après, on fait un semi-marathon minimum. Voilà. Minimum. C'est beau. 21 km. Va-t-on réussir? Ne va-t-on pas réussir? Va-t-on faire plus? Va-t-on se casser une jambe? Touchons du bois. Oui, je touche du bois. Et qu'est-ce que t'en dis? Voilà le programme. Qu'est-ce que t'en dis qu'on dise aux gens qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo que s'ils sont arrivés jusqu'ici, ils écrivent en commentaire genre oui. « Oh le joli coquillage ». Oh, le joli coquillage. Ouais. Voilà, la suite au prochain épisode. Du.